Voilà, après la pub, donc on va rentrer dans les kiosques pour la quintessence des journaux. Et on va simplement dire que Eden est en poste ce matin, The Star et bien Et bien d'autres en d'autres. anglais. Avant que d'introduire véritablement la revue de ce matin, Sandrine, pourquoi ne pas prendre la petite transition? Ouais. All right, you're welcome back to Joy. You're welcome back to join us on set, and he's here once more this Monday morning, all in yellow. Good morning, Narcisse. Bonjour, Sandra Bichoro. How was your weekend? It wasn't bad, we were just there. I was expecting you to tell me cosi cosa, as usual. Bonjour également à Itchelé. Bonjour René Narcisse Moto, avec vous. On va donc prendre la température des journaux ce matin, mais comme d'habitude, on va le faire avec Sandrine pour la première partie en anglais. Of course, and we are going to dive straight away into the first part of the press review, and that is going to be in English. We open up with the Lone National Bilingual Daily, and that is, of course, the Cameroon Tribune, which on its front page comes back to talk sports, and it has to do with the International Cycling Tour of Cameroon, which, of course, ended yesterday. And they say Chantal Bia attends concluding race as matron of the cycling tour named after her. First Lady Chantal Bia yesterday, 20 October 2019, at the May 20 Avenue Grace, the final stage of the event won by Azedine Lagab of Algeria. It was the 19th edition of the competition. You can get more on page 9 of the Cameroon Tribune. And they all equally talk about Unity Palace. Norway's Prime Minister writes to Paul Bia. There is a write-up already concerning this story, but because of the fact that it's not all that visible, I won't read that. You could just grab a copy of Cameroon Tribune and move over to page 2 and read more concerning whatever Norway's Prime Minister wrote to His Excellency President Paul Bia. Away from the Cameroon Tribune, we now take a look at The Post. The Post newspaper on its front page talks about the Sangmelima xenophobia attack. Member of Parliament wants perpetrators prosecuted, and you would actually see a photo of Honorable Tomanyon Damjoya, and she says that justice must prevail if we are in a state of law. You could get this story, you could get more details to this story on page 2 of the Post newspaper. Minat officials inspect private security companies as regulation looms. That is up on page 5. And equally, on still on the same page, U.S. ambassador awards grants to help Cameroon communities. Get to know how this happened on page 5 of the Post newspaper. And on page 3, we have Lebi Alem funds who actually are begging on government to assist them attend to actually assist them attend senior divisional officers installation. Assist us attend SDO's installation. Lebi Alem funds beg government. You would get more on page 3. And concerning end of year festivities, you would get to know how MTN subscribers can win cars and millions of friends of CFA. That is in the inner pages of the Post newspaper. We now take a look at another daily newspaper, but it's an English daily. That's, of course, a Guardian Post, and it talks of how quarrel over spoil, the talk of quarrel over spoils of war. Amber General arrests another in Meme. Multiple clashes between Amber camps reported across the Northwest. Details in the inner pages of the Guardian Post. And talk equally beyond special status, other striking recommendations in favor of the Northwest and Southwest regions of the country. Still in the inner pages, and that is, of course, with the Guardian Post daily newspaper. The equally talk of how FACO chiefs
FACO chiefs optimistic about outcome of special stages for Northwest and Southwest. And also, INEO loses 8 billion franc CFA in Anglophone regions. And on their editorial this morning, the Guardian Post Daily newspaper talks of how they say a constitutionalized regional balance to avoid Anglophone type crisis. You would get more to this in the inner pages of the Guardian Post Daily newspaper. And we now take a look at the Median newspaper. On its front page talks about misguided attacks on John Guti. Is the Northwest not asking for too much? It's the Northwest not asking for too much. You would get supposed answers to this on page 3 of the Median newspaper. And they equally talk about political Maradona on page 3. Biya takes charge against after tactical maneuver. Biya takes charge again after tactical maneuvers. You would get more on page 3 of the Median newspaper. Special status is blessing for Anglophones. That is actually a statement by Senator Mbela Moki Charles. So to get more details to the story on page 4 of the Median newspaper, and still talking about the Camtel, should I say, talking about Camtel, Judith Yia Sunday winning on all fronts. You would get to understand more to this story on page 9 of the Median newspaper. We now take a look at the Star newspaper, and on its front page, the talk of PCC upcoming elections. Survey shows a smashing victory for moderator. Many say he is a development servant of God with a lot on the ground. And equally, two ultra-modern hospitals in Douala and Yaoundé, two press book buildings, one multi-million press print building in Limbe, a bank, guest house in Boya, and an oxygen plant under construction during Reverend Funke's tenor AR. You would get more details to this story in the inner pages of the Star newspaper. Four kidnapped CDC, four men released, six butchered in homes, still receiving treatment in hospitals. That you would find in the inner pages of the Star newspaper. Libya Alem funds call on separatists to drop weapons and embrace peace. You would get details to this story as they further ask them to denounce desecration of policies and tarnishing of names of elites for sponsoring them. They also talk of undisclosed 7-point agenda to restore peace in the division and get children back to school. You would get more on page 6 of the Star newspaper. And of course, away from the Star, we quickly take a look at what the Info has for us this morning, and equally the take us back to Sang Melima to take a look at the Sang Melima of Rao. And they are asking the question this morning: Atanganji Bia's Joker. Atanganji Bia's Joker. The 2-day violence in Sang Melima, which almost turned the town into a Tutsi Uti theater, has drawn the attention of the nation as many watched in consternation the degree of restraint exhibited by the country's trigger-happy police in the face of unprecedented violence against a minority. You would continue reading on page 3 of the Info newspaper. And they talk about education this morning. MINISEC, Nalova to dispatch 200 inspectors to schools in 2 weeks. You would continue reading on page 2. And just to note that the Info is actually a bilingual newspaper. So for those who would want to also read in French, you could get the Info and get many other stories. They talk about entertainment, politics, and a host of others. And we conclude this very first part of the press review in English with the Eden newspaper on its front page this Monday, October 21, 2019. They say a baseless assault on
Prime Minister John Guthrie, the talk of baseless assault on Prime Minister John Guthrie. And there is a whole write-up, a lot of comments. You would continue reading on page 3 of the Eden newspaper. Minfi issues new directives on medical certificates. You would get to read more on page 5. Remember, we just give you the headlines. And after the press review, you could grab a copy and read all the information. Professor versus Professor Famendongo contradicts Kamto. Famendongo contradicts Kamto. Get to understand more or read more on page 6. Of the Eden newspaper. And on page 2, the talk of how Minipat installs a competitive committee. And also Lawan Bako cautions Bia against extremists in government. That is on page 7. And last this morning on the Eden newspaper, the talk of this societal issue of concerning a boy, a 10-year-old boy who actually committed suicide in pastor's house. Boy 10 commits suicide in pastor's house. What happened? You could get more on page 9 of the Eden newspaper. And that brings us to the end this morning. We rapidly continue in French with Narcisse and Etienne. Merci infiniment Sandrine pour cette belle revue en anglais. Vous l'avez dit, on va la faire maintenant en français avec René Narcisse Moto. Et comme d'habitude, la revue aura deux parties. La première partie concernera la revue transversale. Et ici, il sera question de l'affaire Kamto et l'état du Cameroun. On parlera également de l'installation des préfets. Puis on va évoquer le sujet des inondations du Logon et Chari. La presse ce matin également nous dit pourquoi Paul Biya a boudé le sommet Russie-Afrique. Et puis on sortira de cette première partie par le démarrage de la nouvelle saison sportive de football au Cameroun. René Narcisse Moto, la nouvelle expression est en kiosque ce jour encore. Tout à fait, avec le premier fait majeur qui parle ici de la sortie de quelques articles du gouvernement, une sortie qui fait suite aux déclarations de Maurice Kamto sur RFI, cette chaîne de radio internationale, une expression qui ne s'empêche donc pas de nous mettre au parfum des déclarations du professeur Famendongo, qui dit d'ailleurs, je cite, « Paul Biya a libéré Maurice Kamto par magnanimité, mansuétude, dans le but d'apaiser sans pression aucune », fin de citation. Et puisqu'on parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun à travers Maurice Kamto, la nouvelle expression de ce matin parle de cette polémique au sein du barreau et le journal d'insister sur cette sortie du bâtonnet de l'ordre des avocats du Cameroun. Maître Tchakounte Paty qui reproche au collectif de défense de Maurice Kamto et de ses alliés des atteintes à la déontologie. C'est une information qui est contenue en page 2 du dit journal. Le journal Intégration a parlé également ce matin. RDPC, MRC, le duel à Fleuret Moucheté. C'est en page 11 cette information. Ce matin, on ne perd rien à faire un tour en kiosque au fin de ces deux côtés à la bonne source. Parlons aussi du journal Le Messager qui est en kiosque. Le Messager, après sa sortie de prison, le journal parle de Maurice Kamto. Ce dernier met donc le régime au travail, à en croire Le Messager de ce jour. En réaction à l'interview accordée à Radio France Internationale, le journal indique que des membres du gouvernement ambition au commando pour détruire le discours des leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun et Moussanson. C'est donc à la page 2 chez nos amis du quotidien Le Messager, disponible en kiosque ce matin. On ne perd donc rien à faire un tour. Cameroun Tribune en parle aussi. Grand dialogue national. Le gouvernement fustige la mauvaise foi de certains acteurs politiques, notamment. Le journal indique à ce propos que dans une interview, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, dénonce la logique de radicalisation et d'entêtement développée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses sympathisants.
tout en relevant que les assises de Yaoundé ont été un succès reconnu par la majorité, indication faite par Justice et CEP. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Le tri hebdomadaire ne s'empêche pas également d'en parler ce matin. À la première couverture de ce journal, on peut lire sur Radio France Internationale, Femme Dongo recadre Kamto. 2 jours après le passage de Maurice Kamto sur RFI, le ministre de l'Enseignement supérieur, porte-parole du RDPC et du gouvernement, était l'invité Afrique de la matinale de Radio France Internationale le 18 octobre dernier. On parle là donc de Femme Dongo qui est le porte-parole du RDPC. C'est en page, c'est en une des pages donc du tri hebdomadaire le soir disponible en kiosque ce matin. Réalité plus dans le leitmotiv R d'informer la population et être notamment à la pointe de l'actualité. Parle aussi de cette sortie du professeur Femme Dongo, porte-parole du RDPC. Ce dernier cite d'ailleurs, reconstruire le Nord-Ouest et le Sud-Ouest coûtera plus de 3 milliards de francs CFA à l'État. Et le président Biya est déterminé. Fin de citation. C'est l'un des propos tenus donc par le professeur Femme Dongo alors qu'il a accordé une interview à Radio France Internationale. L'information est contenue en page 3 chez nos amis de Réalité. Il y a plus disponible en kiosque ce matin. On va maintenant s'intéresser à un autre fait donc notamment l'installation des préfets, c'était en fin de semaine dernière. Nous restons avec Réalité, il y a plus ce matin. L'installation des préfets, donc, c'est une information contenue en page 6 et 7. Le ministre Joya Zakaria-Rouf, ovationné du côté de Guider, indique donc Réalité plus ce jour. Elle a dit Joya Zakaria-Rouf était à Guider, passé service au nouveau préfet. Il a été ovationné par les populations du début à la fin des cérémonies pour bon et loyaux services rendus dans le maillot luttis. On vous l'a dit, c'est une information qui est contenue en page 6 et 7 chez nos amis du journal Réalité. Il y a plus. Il faut dire hein, que cette installation des préfets s'est tenue dans un contexte, on ne peut plus, particulier dans la région ou les régions du Nord-Est et du Sud-Ouest. La nouvelle expression, on nous le demande d'ailleurs ce matin. On peut lire à la première de couverture de ce journal, les préfets installés sans population dans le nord-est et le sud-ouest du Cameroun. C'était donc en fin de semaine dernière. Le journal de renchérit en soulignant que les nouveaux préfets, récemment nommés par décret du chef de l'État, ont pris le commandement dans la liesse populaire dans les différents chefs-lieux de département à travers le pays, sauf dans les régions anglophones, indication faite. En page 6 et 7, on ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin, au fin de se dégoter à la bonne source. On parlait également de ces fortes inondations du côté de l'extrême nord du Cameroun. Cameroun Tribune en parle donc ce matin. Le président de la République, Paul Biya, a ordonné le déblocage donc de la somme de 150 millions de francs CFA pour une aire d'urgence aux populations sinistrées. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Attanganji, était sur le terrain vendredi dernier à Maga et pousse pour délivrer le message de compassion du couple présidentiel, évaluer la situation, indique donc Cameroun de Tribune ce matin, en ces pages 4 et 5. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et il faut souligner qu'il y a aussi le tri hebdomadaire le soir qui en parle ce matin. Inondation dans l'extrême nord du Cameroun. Paul Attanganji apporte une assistance de 150 millions de francs CFA aux sinistrés. Un peu de détail, c'est à la page 7. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Il y a également un autre journal qui en parle ce matin. C'est Réalité, il y a plus. Paul Attanganji sur les eaux troubles du Logone. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Attanganji, s'est rendu sur les rives du Logone le vendredi 18 octobre 2019. Il était porteur d'une cargaison de matériel et de denrées alimentaires du chef de l'État, Paul Biya, en faveur des milliers de sinistrés de la furie des eaux du Logone qui ont envahi les arrondissements de Maga, Kaikai et Zinar. Information contenue en page 4 et 5 chez nos amis
de réalité. Il y a plus ce matin, on ne perdra rien à faire un tour en kiosque au fin de ces deux côtés à la bonne source. Nous vous le disions, le chef de l'État boude donc le sommet Afrique-Russie, c'est la presse qui le dit ce matin. Mutation le demande d'ailleurs à suffire dans l'une de ses pages ce matin, notamment à la page juge 9. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal. Sommet de Sochi, Paul Biya et la roulette russe. Deux points pour le démontrer ce matin. Le premier fait étape, c'est que, sauf ultime changement, le chef de l'État ne va pas honorer l'invitation de Vladimir Poutine. Une visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, annoncée mardi à Yaoundé, jour de l'ouverture du sommet Russie-Afrique. C'est en page 9. Rendez-vous en kiosque pour ample précision ce jour. Il y a également un autre journal qui en parle ce matin. Pourquoi Paul Biya boude donc ce sommet? Le messager en parle également. Attention à Russie, du 23 au 24 octobre, le chef de l'État a annulé son déplacement. Indication faite donc par les messagers. À partir de la page 3, rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis on va sortir de cette revue de presse ce matin par le dernier fait qui lui porte sur le lancement de la nouvelle saison sportive. Quelques presse en parle ce matin. Cameroun Tribune souligne que la saison a été lancée. Bambuto Sedobouda a pris le dessus vendredi dernier sur Colombe du Dja et Liga et Lobo, 5 buts contre 2 lors du match inaugural au Stade Omnisport Yaoundé pour le compte de l'Elite One. Enlevé de rideau, la division 1 féminine a également été lancée avec la victoire de Canon sur Vision Sport de Bamenda, 5 buts contre 2. C'est dans l'une des pages donc, du journal. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. La nouvelle expression en parle aussi ce matin. Ligue professionnelle à la guerre comme à la guerre. En dépit de la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui rejette la requête de Pierre Sélingué, ce dernier ne demeure pas, indique ce journal à la page 4. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. 7h51, c'est la même heure du côté de Babucha, Fonga ou encore du côté de Molundu. Vous êtes sur Spectrum Télévision et vous regardez le programme Good Morning Cameroun avec René Narcisse Moto. Nous faisons la revue de presse de ce jour, deuxième et dernière partie de cette revue qui nous permettra de voir comment d'autres faits de l'actualité ont été traités ce matin par la presse locale. Et on commence tout de suite, René Narcisse, avec l'œil du Sahel de Gibaï Gatama. L'œil du Sahel de Gibaï Gatama nous amène à l'université du Maroua où le premier ministre chef du gouvernement rappelle à l'ordre le président du conseil d'administration Abdoulaye Babalé. C'est en page 4 cette information. L'œil du Sahel nous amène également du côté de Darak où une femme a été abattue chez elle par un militaire. C'est à la page 9. Toujours avec l'œil du Sahel, on s'intéresse à la méthode d'enseignement dans le Grand Nord du Cameroun. Et à ce propos, le journal souligne que la méthode APC, entendez approche par compétence, se divise dans le septentrion, c'est en page 11 et 12. Au rez-de-chaussée du même journal, nous allons du côté du Mayo Moscota, où 4 personnes auraient été tuées par Boko Haram à Golji. C'est ce que nous dit donc le tribunalaire l'œil du Sahel, Gibaï Gatama, ce matin. Cette information est contenue à la page 9. Puis à l'extrême nord, toujours avec l'œil du Sahel, on parle de ce lourd bilan. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas pu avoir à temps l'œil du Sahel. Un lourd bilan des inondations dans le Mayo Danaï. C'est en page 6 et 7. Rendez-vous en kiosque donc pour en savoir et davantage. Le jour de ce jour, voudrait bien qu'on s'intéresse également à la gestion dans les collectivités locales et décentralisées. Et à ce propos, le journal indique que 120 communes déposent leurs comptes à la Cour suprême. C'est une information qui est contenue à la page 6. Pascal Siakam gagnera 19 milliards de francs CFA par an. C'est ce que nous dit donc le journal. Nous sommes là dans un autre domaine, le sport
justement la NBA, cette internationale camerounaise qui évolue donc du côté des États-Unis d'Amérique. Et puis EcoSanté également disponible en kiosque ce matin, parle de formation médicale et offre de soins. Les médecins de la diaspora camerounaise se mobilisent. C'est ce que nous dit donc ce journal ce matin. Le même journal revient également sur l'élimination du paludisme au Cameroun. Les résolutions de Yaoundé sont à découvrir en page 6, 7, 8 et 9 chez nos amis du journal EcoSanté, disponible en kiosque ce matin. Le financier d'Afrique, le bi-hebdomadaire, est également en kiosque ce jour. On parle de l'UMA qui adopte des mesures pour booster la bourse de la CEMA. Le journal souligne à ce propos que son comité ministériel du 2 octobre 2019 a entériné un règlement relatif à l'introduction en bourse des entreprises publiques et parapubliques des États membres ainsi que des banques et assurances de la sous-région. Nous parlons là de l'UMAC dans le secteur, dans le domaine donc, du marché financier. Information contenue en page 2, je vous avais du journal Le Financier d'Afrique. Le journal L'Économie Report est également en kiosque ce matin. 21 octobre 2016, 21 octobre 2019, l'État abandonne Intercity et la Stèle. 3 ans après, Ezeka, le train passager est plus rapide que celui marchandise, reliant les villes de Yaoundé et Douala, ne siffle plus, souligne le journal. Le journal évoque également ses promesses du gouvernement pour reprendre ce mode de transport, n'ont pas été respectées par des commandes en juin 2019. Et puis, dans le même temps, le chantier de l'ouvrage en hommage aux victimes est abandonné. Indication faite donc en page 2 et 3 chez nos amis du journal L'Économie et Report qui parle aussi du développement agro-pastoral. 3 ministres parlent du foncier demain. Ici même à Douala, au groupement le terre patronal du Cameroun. Et puis on s'intéresse également à la campagne cacaoyère. Le ministre du Commerce active la hausse du prix du kilogramme de cacao. Et puis on termine cette revue avec la nouvelle expression de ce matin et qui s'est intéressée au mémorandum de Gila Damawa. Un an après la présidentielle, les ressortissants de cette région menacent de renvoyer au président de la République le mémorandum qui faisait les statistiques de leur marginalisation. C'est en page 10 et 11 ce matin. Et puis ce fait de société, port de Douala, mouvement est annoncé. Après la nouvelle expression, les dockers menacent de paralyser la place portuaire, principale entrée commerciale du Cameroun, dès le 23 octobre 2019. C'est en page 4 cette information. Et enfin, le messager de Jean-François Chanon s'est intéressé donc également à Yagua. Ce fait qui a donc fait couler beaucoup d'encre de salive et en fait d'ailleurs de nouveau les dessous d'une marche de dénonciation. Le procureur Paul Besson dénonce une cabale, indication faite en page 4. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la revue de presse, livraison de ce lundi, premier jour de la semaine. Merci infiniment René Narcisse Moto, le quotidien de l'économie qui nous rappelle que 3 ans après, le train voyageur ne siffle plus. La Camer qui continue de battre de l'aile et les voyages par route au Cameroun dans des conditions où les routes ne sont pas toujours les meilleures et on va le dire, les véhicules également qui empruntent ces routes n'ont pas toujours toute l'autorisation de circuler, motif free de ce qu'ils sont dans une vétusté avancée. On se demande bien comment finalement se déplacer au pays de Roger Mila. Très bonne interrogation et ce journal fait bien de nous rappeler ici les promesses non tenues du gouvernement. On se rappelle ce triste souvenir, cet accident ferroviaire qui a coûté la vie à bon nombre de Camerounais et les accidentés qui continuent donc à garder les séquelles de cette tragédie. Des promesses avaient été faites, à l'exemple de la construction de l'hôtel pour permettre aux populations de se rappeler ce triste souvenir. On avait également promis d'améliorer cette ligne, sauf que jusqu'ici rien n'a été fait et on continue à s'interroger. En fait, rien de nouveau sous le soleil camerounais, il faut le dire. On espère tout simplement qu'une fois que la presse aura rappelé au gouvernement ces promesses non tenues, peut-être que ces castings, n'est-ce pas, vont se bouger. Espérons-le en tout cas ce matin, René Narcisse Moto. Les prénoms à l'honneur, le prénom à l'honneur ce matin est le prénom féminin Céline. Le prénom Céline. Vous en connaissez autour de vous?
de Céline. Pas vraiment, ce serait la star de la musique québéco-canadienne, c'est ça, c'est ce qu'on dit? Québécoise. Québécoise, voilà, c'est vrai que c'est le même pays. Céline Dion, qui chante très bien, c'est une femme qui est d'une exemplarité sans pareil, il faut le dire. Mais dans d'autres Céline, j'en connais une, mais sauf que le nom, l'éponyme, je l'oublie à l'instant. Mais bon, elle sait que je suis en train de parler d'elle. Je lui adresse un bonjour sympathique ce matin. En tout cas, toutes celles qui portent le prénom de Céline, sachez que vous êtes célébrées en ce jour. Céline Audion. Céline Audion. Voilà, mais c'est pas loin de Belinda Audion. Comment vous ne vous êtes pas rappelé aussi rapidement? On vous propose donc un bout de musique avant que de rentrer dans la deuxième partie de ce programme qui sera aussi en information à 8h. Restez sur Spectrum Télévision. Le programme, c'est Good Morning Cameroun qui se poursuit.